Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est GTCC, j'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de GD News. Donc oui, ça fait assez longtemps que je n'avais pas fait un. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est pas une série qui va se faire régulièrement. Donc on est tout de suite parti. Donc aujourd'hui, de quoi nous allons parler dans ce GD News? Nous allons parler en premier de Clash Royale, en deuxième de mes autres chaînes YouTube, et en troisième du Instagram. Donc nous allons commencer tout de suite avec Clash Royale. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo sur Clash Royale. Il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver prochainement. Mais pour l'instant, c'est vrai que je m'attends plus sur Clash of Clans. Ne vous inquiétez pas, à partir de septembre, je pense qu'on va, on va refaire quelques petites vidéos Clash Royale. Mais c'est qu'en ce moment, j'y joue plus trop. Donc il y aura sûrement encore quelques vidéos de Clash Royale. Mais je pense arrêter au mois d'octobre ou novembre. Ah, à la fin de l'année, je vous dis, j'arrêterai Clash Royale sur cette chaîne. Enfin, j'arrêterai, je ferai beaucoup moins de vidéos Clash Royale. C'est-à-dire, en gros, il y en aura sûrement une par mois casée comme ça, de vidéos Clash Royale. Je vais essayer d'en faire deux par mois de Clash Royale jusqu'à la fin de l'année. Donc, pas au mois d'août, parce que comme vous savez, là, je suis en vacances. Donc, à partir de septembre, je pense qu'on va faire deux vidéos par mois de Clash Royale. Et après la fin de l'année, je pense en faire une seule par mois de vidéo Clash Royale. Donc voilà, comme ça vous aurez un petit planning de Clash Royale. Donc deuxième point, mes autres chaînes YouTube. Donc c'est vrai que je suppose que vous attendez beaucoup les nouvelles vidéos, vous attendez beaucoup que les chaînes GD Tente et GD Hardware commence, ne vous inquiétez pas, je vais essayer que ça arrive pour septembre aussi, mais c'est que gérer trois chaînes en même temps, c'est pas ça, donc c'est pour ça que je vous mets parfois quelques vidéos bonus pour vous faire passer le temps, mais de toute façon ces vidéos resteront en nombre répertorié dès que la première vidéo sortira. Donc voilà, ça je tenais à vous le dire, je n'ai pas abandonné GD Tente et GD Hardware, et leurs vidéos vont très bientôt arriver. Donc vous pouvez les attendre, je vous promets qu'elles arriveront. Et troisième point, le Instagram. C'est vrai que le Instagram, j'ai un petit peu oublié le Instagram, mais je vais reprendre très très bientôt, sûrement pendant ces vacances, je vais reprendre le petit Instagram. C'est vrai qu'en ce moment je suis plus avec Snapchat, mais Snapchat c'est personnel, du coup je vous en parle pas trop, mais j'ai un Snapchat aussi, mais il est personnel. Donc voilà, c'est la fin de ce GD News épisode 3. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce GD News, et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Et vous pouvez aussi vous abonner aux chaînes GD Temps et GD Hardware. Et donc c'était GD COC. Et bye tout le monde.